Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction de notre thème. Il a dépouillé les dominations, les autorités de ta famille. Amen. Je vous annonce que le mois prochain, on aura une autre activité. Amen. Je combattrai tes ennemis et je délivrerai tes fils. Amen. C'est ça les termes, c'est dans Isaïe 49, verset 25. Le mois de mars, nous aurons une activité, Yada. Nous allons parler sur les anges, les démons et le croyant ou le chrétien. Nous allons parler sur l'approche biblique pour parler des anges, parler des démons, parler du chrétien. Parce qu'il y a trop d'enseignements qui ne sont pas vraiment bibliques, mais qui égarent aussi les chrétiens, mais qui donnent l'air d'être bibliques. Et je crois que, en mon humble avis, il serait aussi important pour nous, lorsqu'on fait nos séminaires IADA, d'enseigner sur ça. Donc on va parler sur les anges, comprendre les anges, quel est leur rôle, leur mission, leur travail, et pourquoi est-ce qu'ils ont été créés, est-ce qu'ils existent vraiment, qui sont les démons, les esprits, ainsi de suite, les esprits impurs. Donc parler des catégories des anges, tout ça, parler, on va faire des survols là-dessus, puis on parlera des chrétiens, les rapports dans la vie des chrétiens, et ainsi en corrélation avec le Saint-Esprit. Ça sera très très bénissant, les activités que nous aurons. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Je vous proposais de lire avec moi dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 16. La Bible dit, après nous allons revenir dans notre texte de Colossiens. Alors il les livra pour être crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Vous pouvez souligner en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu, depuis les hauts jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva enfin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus s'étaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui.
s'étant approchés de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Est-ce qu'on peut lire maintenant ensemble nous tous? Verset 36. Ces choses sont arrivées, soit accomplies. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le texte biblique? Amen. C'est que j'aimerais dire aujourd'hui que tout est déjà calculé, tout est déjà joué d'avance. Ici, en lisant ces textes, on peut nous mettre maintenant en Colossiens, vous allez voir que Dieu avait déjà tout prévu. Tout était préparé. Amen. Tout était déjà préparé. Donc, normalement, la venue de Jésus-Christ n'était que, je ne dirais pas un rôle dans le mauvais sens. Il vivait ce qui était déjà annoncé. Il est venu vivre ce que Dieu avait déjà prédit par les prophètes. Alors le diable va tomber dans un... Je ne dirais pas piège, mais... Il croyait qu'il était plus malin que Dieu. Amen. Donc, tout ce que le diable pensait faire, Dieu va le tourner pour sa gloire, éclater sa gloire. C'est comme ça que Dieu opère. Les plans ici que nous venons de vivre, bien les tableaux de ces textes, nous présentent un homme humilié. Un homme qui n'a plus de valeur. Un homme qui n'est plus considéré un esclave. Un condamné à mort. Un homme qui était puni, sanctionné, rejeté par la société. Humilié, on l'a traîné avec sa croix. Fouetté. Et on le place pour... On le place à côté de deux bandits. C'est-à-dire deux personnes qui avait une mauvaise vie. Pour bien dire qu'il est au milieu, c'est celui du milieu qui est le plus méchant. Est-ce que vous me suivez? On ne l'a pas placé au milieu par hasard. C'est pour identifier que c'est lui du milieu et le plus dangereux. Mais dans tout ce que le diable faisait, parce qu'il faut savoir qu'il y avait la main noire de Satan derrière ce qui se faisait. Avec les Pilates, avec les Sanhédrins, avec tous ces gens. Il y avait la main noire du diable. Le diable ne viendra jamais se présenter comme ça, physiquement, pour dire, c'est moi Satan. Maintenant, faites ceci, faites cela. Non. Le diable passe par les hommes. Il passe par le contrôle de l'intelligence. Il passe par le contrôle des pensées. Il passe par le contrôle des sentiments. Il passe par le contrôle de la volonté afin d'inciter l'homme à poser des actes qui vont le détruire demain. C'est comme ça que le diable passe. Il passe dans toute la discrétion possible. Il ne se révèle pas lorsqu'il veut manipuler quelqu'un. Parce que c'est son domaine. Il sait contrôler une personne. Il sait comment s'infiltrer sans laisser des traces. Et Dieu envoie Jésus-Christ, en envoyant Jésus-Christ dans le monde, savait que l'ennemi allait, n'est-ce pas, combattre cet enfant. Vous allez voir que le diable va combattre Jésus-Christ dès sa naissance. On voulait la mort de Jésus-Christ, mais Dieu avait prévu que cet enfant n'allait pas mourir à cet âge. Il devait grandir. Il devait grandir. Il devait vivre dans cette famille. Il devait recevoir les baptêmes des gens. Pourquoi? Parce que dans les baptêmes des gens, il s'identifie à l'humanité pécheresse. Il prend la place de l'homme. Il est maintenant prêt pour aller à la croix. Amen. Parce que le premier homme créé, Adam, avait péché. Il a entraîné la mort dans le monde. Dieu devait enlever la mort. Pour enlever la mort, il faut un autre Adam. Un autre Adam qui va enlever la mort. Parce que le premier a entraîné la mort dans le monde. Alors Dieu envoie un autre Adam. Cet autre Adam, c'est Jésus-Christ. Mais lui n'est pas formé de la terre. Il n'est pas formé, n'est-ce pas, de la boue comme Dieu avait fait avec Adam. Lui, il vient par la puissance du Saint-Esprit. Dieu envoie Gabriel pour annoncer à Marie
que tu mettras au monde. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu mettras au monde un enfant. Mais qui sera conçu dans ton ventre par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu concevras un enfant. Cet enfant sera l'enfant de Dieu, le fils de Dieu. Il s'appellera Emmanuel. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui ont été dites dans le passé. Esaïe en a tellement parlé. Vous lisez Esaïe 7, Esaïe 9, vous allez comprendre ça. La jeune fille tombera enceinte. Et quand Marie voit ça, elle était un peu estomaquée, choquée. Mais elle a accepté. La puissance de Dieu, dès l'instant qu'elle a parlé avec Gabriel, l'Esprit de Dieu était déjà tombé sur elle. Alléluia. Joseph, son mari, ne pouvait pas comprendre cette dimension de la révélation. Il fallait que Dieu se révèle à Joseph. Alors Dieu va faire la même démarche. Il va donner des révélations à Joseph. Pour comprendre ça dans la profondeur, suivez Yada, Jésus de l'histoire, Jésus de la foi. Là, vous allez comprendre ça bien. Alors Dieu va se révéler à Joseph. Quand Dieu se révèle à Joseph, Joseph comprend et c'est lui qui va donner les noms à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Marie qui donnera les noms, c'est Joseph qui va donner. Lisez bien la Bible. Il va donner les noms parce que c'est lui le père. Il devait être le père parce qu'il devait donner les droits officiels et légaux à Jésus-Christ pour être de la lignée davidique. C'est-à-dire, pour être directement descendant de David, il fallait que ça passe par Joseph pour avoir l'héritage de la royauté. Ainsi, il pouvait, maintenant, on pouvait le reconnaître. Comme Dieu avait promis à David que ton trône sera toujours, il y aura toujours quelqu'un sur ton trône jusqu'à l'éternité. Et comme ça, quand Christ vient, il vient accomplir la promesse de Dieu dans 2 Samuel chapitre 7, dans l'alliance de David. Donc Jésus vient accomplir cette promesse. Il reçoit la royauté. Il vit dans la discrétion. Tous les amis le connaissaient. Il jouait avec ses amis. Il faisait les jeux de l'époque. Mais malgré sa jeunesse, il n'a pas péché. Il arrive dans cet âge où il forme des disciples. Il parlait avec autorité. Et il avait aussi la puissance. Et les Sanhédrin, qui était un système religieux, qui était tombé dans le sommeil, n'arrivaient pas à comprendre le rôle et la mission de Jésus-Christ, ainsi que les pharisiens. Alors ils vont se lever pour les combattre. À chaque fois que Dieu suscite un messager ou des messagers qui ont la révélation, il se lève toujours des opposants qui n'ont pas saisi la révélation. Amen. Et c'est normal. Jésus-Christ n'a pas arrêté, il s'est focalisé sur les 12. Il a continué à travailler avec les 12. Et le diable, connaissant les pensions de Judas, va manipuler Judas à cause de son cœur. Cause de l'amour de l'argent. Il aimait tellement l'argent. On va le séduire par là. Et c'est lui qui va vendre son maître. Maintenant, ici, Jésus est humilié. Satan est dans la joie parce qu'il a accompli son plan, n'est-ce pas? Il a atteint son objectif, il a humilié Jésus. On a arrêté Jésus-Christ, on l'a tabassé, on l'a fouetté. Il porte la couronne d'épines, il est humilié, il n'a plus de pouvoir. Pour les diables et le monde satanique, ils ont atteint l'objectif. Mais pour Dieu, c'est dans la faiblesse qu'il atteint ses objectifs. Vous voyez? Dieu opère dans la simplicité. Dieu opère dans la faiblesse. Le Dieu éternel, Jésus-Christ, accepte de revêtir l'humanité, recevoir les fouets. Je disais à quelqu'un, si Jésus-Christ n'avait pas senti des douleurs, cela affecterait même ta foi et ton salut. S'il n'avait pas souffert et qu'il jouait ses mains et jeux, cela toucherait même ton salut. Il était humain, 100% homme, 100% Dieu. Il devait souffrir pour bien nous délivrer. Il devait bien souffrir. Il a souffert. Il dit, j'ai le pouvoir. Mais il a refusé d'exercer ce pouvoir. Lorsqu'il avait faim, il avait réellement faim. Lorsqu'il a eu soif, il avait réellement soif. Mais dans tout ce qu'il disait, c'était déjà prédit, annoncé. Si vous croyez que ce qui a été annoncé s'est accompli avec la croix de Jésus-Christ,
Parlant de sa tunique. Parlant de l'expression qu'il a utilisée, j'ai soif. Parlant de tout ce que la Bible parle dans les psaumes, lorsqu'on voit Jésus dans les psaumes. Alors, ce qui est à venir, est-ce que vous ne pouvez pas le croire? C'est juste que là, Dieu a accompli ce qui était dans le passé. Et Jésus, la Bible dit, tout cela, il a dit ça pour que l'écriture soit accomplie. Mais maintenant, ce qui est à venir, est-ce qu'on ne devrait pas le croire? Nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Vous êtes sur la bonne voie. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sur la bonne voie. Durant les 4 jours, tu vas comprendre la place des démons et la place. Occupes. Parce que, en prêchant le message de la démonologie ou de la délivrance du combat spirituel, nous ne devons pas placer les démons plus haut. Alors que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Maintenant, c'est à nous de comprendre notre position par la foi et par la connaissance des Écritures et d'exercer l'autorité exousia que Dieu nous a donnée. Même si tu n'as pas les dynamis, mais si tu as exousia, l'autorité de Dieu, tu pourras fonctionner. Parce que le dimanche, on va conclure sur l'exousia et le dynamis. On va parler sur la domination, on va parler sur l'autorité et la puissance. Et c'est là qu'on va conclure le message. Ma soeur, mon frère, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons tout le temps dominés par les maladies, par les démons, par des problèmes, par des sorciers. Non. Si nous connaissons réellement Jésus-Christ et ce qu'il a accompli à la croix, nous changerons les langages. J'aimerais aujourd'hui te dire, à la fin de ces 4 jours, que les sorciers de ta famille doivent changer de langage à cause de toi. Ils doivent parler autrement. Ils doivent sentir que tu fouettes. Ils doivent sentir que tu as l'autorité. Je ne vais pas anticiper ce que je dois parler le dimanche, mais j'aimerais te dire qu'ils doivent savoir que tu as l'autorité, que tu n'es pas n'importe qui. Ils blaguent, tu sanctionnes. Alléluia. Christ n'est pas allé à la croix pour blaguer. Il est allé à la croix pour nous libérer de l'emprise des ténèbres sataniques afin de nous accorder notre position spirituelle d'autorité. Ainsi, il nous laisse dans le monde, nous confions cette autorité, il nous fait confiance de l'exercer. Si tu ne l'exerces pas, c'est ton problème, parce que tu l'as déjà en toi. Contrairement au sacrifice vétérotestamentaire, qu'il fallait répéter journellement, le sacrifice de Jésus est définitif et éternel. La preuve est dans sa position au ciel, assis à la droite du Père. Et lorsqu'on voit dans les temples juifs, le temple juif contenait le temple juif plutôt ne contenait aucune chaise parce que le travail des prêtres n'était jamais terminé. Mais lorsqu'on parle de Christ, on dit qu'il est assis. Pourquoi est-ce qu'il a tout accompli? Lorsqu'il va dire j'ai tout accompli, et lorsqu'on parle de lui au ciel, il n'est pas debout comme dans les temples juifs, mais il est assis. Lorsqu'on parle de la position assise, on parle de Christ dans cette position, on parle de l'exousia, c'est-à-dire on parle de la domination, on parle du pouvoir, le contrôle. La Bible dit Dieu était assis sur son trône lors du déluge. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu était assis sur son trône lors du déluge. C'est-à-dire, il a dit, ah bon, vous avez joué avec moi? Noé construit l'arche. Prends les dimensions, reçois ça. Maintenant, lorsqu'il envoie la pluie, Dieu était assis. C'est-à-dire, il a parlé, il a ordonné, il contrôlait tout, il était assis. Ça parle de la position de celui qui règne. Celui qui a l'autorité. Celui qui a les derniers mots. Amen. Et lorsqu'on retourne dans l'époque, dans la Palestine de l'époque, parler de celui qui est assis, on voit directement le roi qui est dominant. Celui qui est assis, c'est-à-dire, il n'a pas à s'agiter. Le roi parle tout en étant assis. Il donne des ordres. Il n'a pas besoin de se lever pour qu'on puisse le suivre. Il parle en étant assis. Il parle calmement, mais il donne des ordres. Et Dieu était assis. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que tout est accompli. Est-ce que vous me suivez? Il a dépouillé les dominations. Jusqu'à là, je ne parle que de il. Je ne parle pas encore de dépouiller. Il, là, c'est Jésus-Christ. On est toujours dans les il. Donc, les il, là,
pronom personnel. Hein? Amen. Troisième, du singulier, n'est-ce pas? Alors, le il là a dépouillé. Dépouiller, ce n'est pas facile. Et quand je pars vérifier les dépouiller dans les dictionnaires, mais c'est compliqué, bien-aimé. Vous savez, des fois, on peut parler de beaucoup de choses, mais lorsqu'on analyse, on se rend compte que Christ a vraiment fait un grand travail. Ça mérite vraiment que nous puissions croire. Alléluia. Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous croyez en ce qu'il a fait pour vous? Dépouiller, c'est déposséder. C'est enlever quelque chose. C'est prendre même des fois avec force. C'est dégrader quelqu'un. C'est enlever, c'est déshabiller. Donc il n'y a plus de couverture. Et il n'y a plus de protection, Satan. Tu n'as plus de pouvoir. Tu as été dépouillé. Vous voyez? Maintenant, nous en tant que chrétiens humains, lorsque nous voyons, nous ne voyons pas qu'il est dépouillé. Nous le voyons puissant. Parce que nous le voyons actif, en train d'agir à travers des loges. J'étais dans la ville de Québec, au centre-ville, et je vois une grande maison avec des signes occultes. C'était l'église de la Scientologie. J'ai dit, waouh! Et donc ici, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde où les occultistes actuellement n'ont plus honte. Ce qui était secret à l'époque n'est plus secret. Ce qui était occulte, en fait, on ne doit plus les appeler les occultistes. Parce qu'occulte, ça veut dire quoi? Caché, non? Mais ils ne sont plus occultes. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ils ne sont plus occultes. Ils sont maintenant visibles. Ils sont partout. Ils ne se cachent plus. Et même les stars que les jeunes aiment ne se cachent plus. Ils acceptent qu'on les prenne des photos, des vidéos même, faisant leur prière occulte. Et les jeunes qui voient, ça continue à les adorer, à les suivre toujours. Parce qu'ils savent qu'ils les contrôlent par des pouvoirs sataniques. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous avons un maître qui a tout accompli à la croix. Et même si nous ne vivons pas la totalité de notre délivrance, de notre salut, nous sommes en voie de vivre cela. Alléluia. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà délivrés. Mais nous ne vivons pas la totalité de cela. Mais cela n'empêche pas que nous puissions les vivre si nous croyons. Il y a d'autres choses que le chrétien vivra dépendamment de sa foi et de sa relation, de son intimité avec Dieu. On peut avoir droit à quelque chose nous tous, mais ça dépendra de notre violence, de notre détermination à obtenir la chose. Alléluia. Nous sommes tous fils de Dieu, mais à chacun sa dimension de la foi. Tu crois, tu pourras vivre des choses. Si vous êtes déterminé à devenir riche, vous deviendrez riche. Je ne dis pas par les fétiches, mais par le courage, par la motivation, par les renseignements, par des bonnes connexions, vous deviendrez riche. C'est une détermination. Alléluia. Si vous voulez mourir pauvre, vous mourrez aussi pauvre. Tout dépend de votre choix. Alors, si tu veux devenir puissant, tu deviendras puissant. Tout dépend de toi. Mais moi, j'aimerais qu'à la fin, que tu puisses prendre la décision de devenir puissant. Tu dois devenir puissant. Alléluia. Tu dois devenir puissant. Parce que si tu ne deviens pas puissant, l'ennemi aura de l'avantage sur toi. On va lire Colossiens 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Je vais vous lire une autre version. Je vais vous lire dans
La version Jérusalem, on dit ceci. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Nouvelle Bible seconde dit ceci. Il a dépouillé les principats et les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. C'est-à-dire, lorsqu'il remportait la victoire, il les entraînait derrière lui. Parce qu'on dit qu'à l'époque, lorsqu'il y avait un vainqueur, les vaincus les suivaient, ils tenaient les chars, les vainqueurs étaient sur les chars, n'est-ce pas? Et ils conduisaient les chars en signe de vainqueur. Et les vaincus étaient à côté, tenant les chars, courant juste pour suivre les vainqueurs. Pour lui témoigner, n'est-ce pas, reconnaissance, tu es plus fort que nous. Et c'est comme ça, c'est cette expression que l'apôtre Paul est en train d'utiliser, prenant les contextes des Romains à l'époque et des Grecs. Dans la Bible des Semeurs, on dit ceci, là, il a désarmé toute autorité. Il n'a pas seulement dépouillé, mais il a désarmé. Et maintenant, tu comprends dépouillé là. On dit, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire de la croix. Parole de vie pour conclure, on va dire ceci. Dieu a enlevé l'impuissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. On dit, Dieu a enlevé l'impuissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a enlevé. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme les prisonniers. Il les a traînés comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son fils. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que des fois quand tu lis les versets, tu lis ça seulement dans une version, tu ne vérifies pas dans l'autre version, tu ne pourras pas bien comprendre. On dit, il a présenté, ici on parle directement des esprits. Il a présenté ses esprits devant tout le monde. Et il les a traînés comme des prisonniers. Venez ici des esclaves. Comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son fils. Vous voyez, entre temps, nous nous voyons l'humiliation de la croix. Or, cette humiliation, c'était un défilé. C'est ça le problème. Ce n'était pas l'humiliation, c'était un défilé, bien aimé. Pendant qu'on voyait que les types étaient humiliés. Non. Lui, il gagnait, il avait remporté la victoire. Pendant qu'on disait qu'il est humilié, lui, il s'est moqué de Satan. La terre a tremblé parce que la terre ne pouvait pas supporter de voir le maître mourir. Oh, le soleil peur parce que le soleil ne pouvait pas voir le maître à la croix. Il les a traînés derrière lui. Il disait, petit, suivez-moi, vous avez cru quoi? Que vous aviez la victoire. J'ai la victoire sur vous. J'ai le pouvoir sur vous. Vous allez voir les choses. Suivez-moi. Je vous ai déjà vaincu. Il les a traînés par humiliation pour leur dire, vous n'avez plus de force. Je vous laisse un temps juste pour opérer. Puis je reviendrai pour vous anéantir jusqu'à la fin. Tout est déjà déterminé d'avance. Tout est déjà joué d'avance. Le jeu est déjà joué. Nous sommes dans la victoire. C'est pour ça que les sorciers de ta famille entendent ça. Que tu es dans la victoire. Je ne sais pas si tu n'as pas compris. Ils doivent sentir que toi tu as Jésus-Christ. Ils doivent comprendre que tu as changé de langage. Malgré les douleurs, malgré la maladie, à la croix, il a dit tout est accompli. On l'a percé, l'eau est sortie, les seins sont sortis. Par ses martyrs, tu es guéri. Il les a dépouillés. Il les a désarmés. Il les a humiliés. Il en a fini avec les démons, les sorciers. C'est pour ça que je ne prêche pas un évangile qui donne trop de pouvoir aux démons. Je parle des démons, mais je crois plus en Jésus-Christ qui a l'autorité sur les démons. Alléluia. Nous croyons la délivrance. Nous prêchons la délivrance. Mais Jésus a plus d'autorité. Aucun démon n'a
n'est au-dessus de Jésus-Christ. Si les démons sont compliqués, ils ne veulent pas sortir, ils te compliquent toujours. Persévère, continue de prier. S'ils n'arrêtent pas, viens, on va continuer, on va négocier avec eux dans la puissance. Alléluia. Parce que c'est un problème de puissance. Nous allons nous battre avec eux dans la dimension spirituelle. Il y a une chose que vous devez grandir avec, c'est exousia. Exousia veut dire une autorité. Dieu vous donne l'autorité pour opérer avec cette autorité. L'exousia est plus que dunamis. C'est lui qui a le dunamis, la puissance, n'a pas vraiment l'autorité. Il a l'arme, mais ce n'est pas l'autorité. Mais celui qui a exousia et le dunamis a l'autorité, c'est-à-dire il a le pouvoir, il a aussi la puissance. Exousia opère dans deux mondes, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Le dunamis opère seulement dans le physique. Lorsque j'appelle la puissance vient pour produire des résultats et que ces résultats soient visibles. Mais dans les dunamis, plutôt dans l'exousia, je parle dans le domaine spirituel. Vous ne voyez rien. Je dis seulement, vous esprit impur, arrêtez de déranger telle personne. Ça c'est exousia. Ça c'est pas dunamis. Ça c'est l'autorité spirituelle. Amen. Je parle dans exousia. Ne dérangez plus mon frère, ne dérangez plus. Ça c'est les esprits impurs, ils vont dans le monde spirituel. C'est pas visible. Vous voyez? Mais exousia peut devenir aussi visible. Parce que dans exousia, il y a aussi le dunamis. Mais quand tu as les deux, exousia et dunamis, tu deviens très dangereux. Et c'est ça que le chrétien doit rechercher. Il ne faut pas négliger ton autorité. Il faut grandir en autorité. Et l'autorité ne vient pas en croisant les bras plutôt, en mangeant tous les jours. L'autorité vient dans les jeûnes et prières, dans une vie de consécration, dans la lecture de la parole, dans l'écoute de la parole, dans une vie séparée du monde. Ainsi, tu vas développer l'homme intérieur. L'homme intérieur doit grandir. Si l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur doit grandir. Il doit mûrir, il doit devenir géant. Alléluia. Ainsi, ton autorité sera au niveau, n'est-ce pas, de chasser les démons, d'interdire les activités occultes autour de... Vous savez, des fois, l'autorité peut entrer en action sans votre avis. Votre autorité peut commencer à opérer sans vous aviser. Parce que votre autorité peut entrer en collision avec d'autres forces qui savent ou qui sentent, qui voient en vous l'autorité. Vous ne comprenez pas, mais eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont vu, ils réagissent. C'est ça l'autorité spirituelle. Un jour, j'étais avec une personne, je suis allé dans un rendez-vous quelque part dans une église, et puis il y avait le monsieur avec sa femme. Dès que je suis arrivé, j'ai dit, on prie pour qu'on parle. Dès que j'ai voulu parler, prier, l'esprit de chef coutumier qui était dans la femme s'est levé directement. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Encore ce Thierry-là. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Tu me déranges trop, toi. J'ai dit, c'est ça. Mais maintenant, nous ne devons pas arrêter là. J'ai pris Dieu. Il faut que je sois comme une bombe. Donc, partout là qu'ils... C'est ça, bien aimé. Deviens une bombe de Dieu pour détruire les servants du diable dans ta famille. Ne sois pas un cadeau entre les mains du diable. Il faut que lorsque le diable essaie de te toucher, qu'il puisse le regretter. Est-ce que vous me comprenez? Jésus n'est pas allé à la croix pour blaguer. Il n'est pas allé à la croix pour plaisanter. C'était pas un parti de poker. C'était un temps de délivrance, de restauration, de guérison. Il est allé récupérer la vie de l'humanité, le salut des hommes. Il est allé faire sa mission. Il y a quelques conséquences de la croix. À la croix, Colossiens 1, verset 13, Dieu nous a restaurés spirituellement. Il a restauré notre position spirituelle. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, royaume du Fils de son amour. Au fait, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas là. Je vous dis, tel que vous êtes là, vous êtes en même temps avec moi dans le lieu céleste. Amen. Mais Dieu ne dit pas que vous sortez de votre corps pour aller dans le lieu céleste. Non. Dieu dit que vous êtes là. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous êtes là, vous ne sortez pas, mais vous avez une position royale aussi. Amen. Cette position royale vous donne la garantie
de beaucoup de choses. Un, vous êtes fils de Dieu, reconnu officiellement. Vous êtes héritier des promesses. Vous avez droit aux anges et à leur intervention. Vous êtes participant à la nature divine. Vous avez beaucoup de choses qui sont dans vous que vous ignorez. C'est pour ça que Jean dit, ce que nous serons n'est pas encore arrivé. Mais le jour que nous le verrons face à face, nous serons tels qu'il est. Alléluia. Il y a des choses que nous devons désirer encore. Nous avons déjà une position royale. Nous sommes déjà avec Christ. Cette position veut seulement nous dire que Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Il nous a garanti le salut et l'autorité. La croix nous amène l'anéantissement du diable et de sa puissance. 3. Le chrétien peut résister maintenant au diable jusqu'à provoquer sa fuite. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Après la croix, Dieu nous donne maintenant, Jésus clarifie certains points. Maintenant, vous pouvez résister. Et si vous résistez, il peut fuir. Ça, c'est après la croix, pas avant la croix. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Tu peux lui résister et il fuira. Dans 1 Jean 2, 14. Autre conséquence de la croix. En Christ, nous sommes forts. Et Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu l'ennemi. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Après la croix, plusieurs choses s'installent dans les croyants. Plusieurs choses, plusieurs réalités. J'ai compris une chose. Et c'est ce qui m'a motivé même à faire ma démarche d'écrire l'esclave ou héritier. C'est parce que nous, chrétiens, nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Nous sommes vraiment des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais la plupart du temps, nous allons à l'église comme ça. Nous ne comprenons pas vraiment beaucoup de choses. Et ça ne nous intéresse pas. Et c'est ça aussi ce qui détruit le milieu de certains pays du tiers-monde. Où les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans leur pays. Où ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la direction, dans la gestion, dans les lois, ainsi de suite. Ça fait qu'on peut les manipuler facilement. Ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ceux-là qui comprennent sont en petit nombre. Ceux-là qui ne comprennent pas sont en grand nombre. C'est ça le problème de l'Église. Et raison pour laquelle certaines personnes en profitent comme des satans avec l'autorité abusive et il massacre et tue. Mais Christ, quand il vient pour mettre fin à tous ces genres de choses où les gens se croient au-dessus de toutes choses. Ma soeur, mon frère, lors de l'arrestation de Jésus-Christ, la femme de Pilate, je crois, il a dit, je n'ai pas pu passer ma nuit à cause de cet homme. Cet homme, c'est un saint homme. J'arrivais pas à fermer l'œil. Il a dit à son mari, fais attention, ce type-là, moi je ne veux pas de choses. Lave tes mains. Alléluia. C'est pour cela que certaines choses, certaines situations, ça prend que l'Église prie. Nous prions, nous envoyons des bombes dans la prière et nous posons aussi des actes. Alléluia. Symboliquement, ça présentait la faiblesse, l'humiliation. Celui-ci est le roi des Juifs. Ils ont dit, écrit, il a dit, je suis. Il a dit, j'ai déjà écrit. Lui, lorsqu'il écrivait, il ne voyait pas qu'il accomplissait la parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, les plans de Dieu, ces gens-là ne se rendent pas compte. Le diable peut planifier ta mort. Dieu va prendre ces mêmes plans-là. Est-ce que vous êtes là? Les mêmes plans, c'est là que Dieu dépasse Satan.
C'est là que c'est pour ça que j'aimerais garantir à quelqu'un. Le diable ne peut pas te tuer facilement. Oh non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mourir facilement. Toi, tu meurs comme ça, tu quittes la terre. Non, tu ne peux pas mourir. Il a voulu toucher Job. Dieu lui a dit, écoute, tu vas toucher ça, ça, ça. Là, n'arrive pas. Pas à la vie. Il a des limites. Est-ce que quelqu'un me comprend? À la croix, Christ est allé faire un travail puissant. La croix nous permet de comprendre et de croire à la fin des choses prédites par le Seigneur. Car tout est déjà calculé. Le diable est déjà vaincu et sera lié à la fin de toutes choses. C'est déjà établi comme ça. Qu'il blague, qu'il massacre des gens. Qu'il suicide des dictateurs, qu'il suicide tous ces gens qui peuvent suicider le monde. Ce n'est pas un problème. Mais il sera sanctionné. Dieu ne restera pas silencieux, laissant les diables se moquer des gens, coulant le sang des gens. Non, 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 non. Christ a payé les prix pour détruire tous ceux qui veulent régner par l'autoritarisme. Qui veulent dominer les familles, régner dans les familles spirituellement, sacrifiant des enfants génération après génération. À cause des forces spirituelles, certaines personnes n'ont pas pu étudier. Parce qu'à chaque fois qu'ils voulaient prendre les notes, des maux de tête venaient, une maladie intervenait, quelque chose prenait place parce que le diable avait imposé sa volonté. Mais à la croix, Jésus a dit, j'ai tout accompli. Il a dit, je suis venu casser les malédictions des familles. Je suis venu mettre fin à Satan dans ta vie, dans ta famille. Il a dépouillé les dominations de ta famille. Il a désarmé les autorités de ta famille. Il les a livrés publiquement en spectacle. En d'autres termes, il les a humiliés. Ils sont déjà humiliés. Et si tu te rends compte qu'ils sont humiliés, exerce ton autorité. Opère en autorité et chasse-le. Ta maison n'est pas la place des démons. Ta vie n'est pas la place des démons. Si hier tu as été contrôlé, si hier on t'est tourmenté, vous savez, il y a des moments où le diable peut vous tourmenter. Moi, je dormais toujours les nuits. Quand je dormais, toujours des cauchemars, toujours des rêves bizarres. Ça, c'était ma spécialité. Quand je dors, je ferme les yeux, cauchemars. Comme je vous ai dit la fois passée, un jour, je suis allé dormir. Au 6e des humanités, je faisais le bac. 92, voilà. Et je suis allé m'allonger. Dès que je me mets, on était au maquis avec les amis collègues, on préparait les examens d'état. Pour les gens d'ici, bac, comme vous appelez bac, secondaire 5 ou 6, je ne sais pas. Bon, comme vous comprenez là, aidez-moi un peu, justement. J'arrive seulement dans la chambre où c'était une grande salle, on dormait tous avec des amis. Je me mets seulement au lit. Je ne dors pas. Bloqué. Vous savez, quand le diable croit qu'il vous contrôle, il croit qu'il va continuer comme ça. Je pouvais voir mes amis rentrer, sortir. Même j'étais bloqué là. Je n'arrivais pas à bouger. Mais je voyais tout. J'entendais tout. Mais j'étais bloqué. Je sentais que j'étais bloqué. Je ne pouvais pas bouger. Je commençais à prier. Jésus, sauve-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Après, je me suis levé. J'étais très en colère. Vous savez, certaines personnes, ça prend la colère. Certaines délivrances ne viendront pas seulement comme ça. Tu n'auras pas cette délivrance sans que tu ne comprennes ta réalité. Certaines personnes, il faut qu'ils arrivent à souffrir pour comprendre qu'ils ne doivent plus quitter Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à voir la souffrance, tu vas croire que la vie c'est comme ça. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis engagé dans la voie des prières et des délivrances. Je suis allé, on m'a fait des prières d'autorité, de délivrance. On a prié pour moi, le Seigneur m'a libéré. Et depuis là, c'était bien. Je pouvais dormir comme ça, je voyais des choses bizarres. Dieu peut te libérer de toutes ces forces spirituelles qui te tourmentent. Des fois, les enfants voient des choses, ils ne peuvent pas en parler aux parents. Parce qu'ils pensent qu'ils sont des blagues, ce sont des cauchemars. C'est lié au dessin animé. Non, ce sont des réalités spirituelles. Et si les parents prêtent attention, ils peuvent libérer leurs enfants. C'est pour ça que je te dis que le diable aura des problèmes avec toi.
dépouiller. Le sens du mot veut dire retirer ce qui couvre, ce qui habille, déposséder quelqu'un de quelque chose. Faire un examen attentif. Prêter attention. Lorsqu'on parle des synonymes, c'est appauvrir, c'est arracher, c'est démunir, c'est déposséder, déshabiller, comme je dis, déshériter, détrousser, écorcer, priver, c'est tondre, c'est même voler. Maintenant là, le Seigneur lui dit, toi comme tu as tourmenté mes enfants, je vais te dépouiller. En fait, nous les chrétiens, nous combattons contre un être dépouillé. Nous combattons contre un être dépouillé. Si vous êtes biblique, le diable est dépouillé. Non, j'aimerais que tu répètes bien avec moi. Il est dépouillé. Il est désarmé. Il est dépouillé. Alléluia. Le dépouillement, c'est aussi enlever les grades. C'est comme dans l'armée, un homme général qui avait des grades. Tout ça. On vient, on le dépouille de toutes ces choses. Il peut garder la tenue. Il peut faire peur aux novices, aux gens qui ne savent pas sa position. Mais ceux-là qui comprennent exactement qu'il est dépouillé ne vont plus le considérer comme un général. Parce qu'il n'a pas les signes qui indiquent sa position de général. Il n'a plus ces signes. Mais il a la tenue. Il peut influencer certains milieux. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Il a la tenue. Il peut commander à certains caporals. Il peut commander à certains esprits. Il peut les envoyer en mission parce qu'il garde la tenue. Mais il n'a plus les signes qu'il identifiait comme général, comme Lucifer dans l'armée de Dieu, dans le milieu de Dieu. Il n'est plus cela. Il n'est plus cela. Et maintenant, quand Christ vient sur la croix, parce que le diable avait récupéré ce qu'Adam avait, il a volé l'autorité qu'Adam avait. Dieu avait donné la domination à Adam. Le diable a volé ça. D'où l'humain avait perdu la domination. Quand Christ vient, il vient avec un travail de récupération. Il vient récupérer l'autorité pour nous les redonner, n'est-ce pas? Alors Christ vient, ils ont cru qu'ils l'ont tué. On voulait, n'est-ce pas, briser les os de Christ. Ils n'ont pas pu faire parce que c'était déjà écrit. Aucun de ces os ne sera brisé. C'était déjà écrit. C'était même écrit, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Tout était déjà écrit. Que c'est merveilleux d'avoir vraiment une histoire comme ça. Et même ce qui va arriver, c'était écrit. Ah, mais moi je crois en ça. C'est tellement fou, mais il faut croire. Ça prend la foi. Ça prend vraiment la foi, ma soeur, mon frère. Et Dieu nous donne déjà l'information pour la fin de l'histoire. Il dit qu'il va l'enchaîner. Dieu nous dit qu'il va enchaîner Satan. Est-ce que tu crois à ça? Tu crois qu'il est désarmé? Tu crois qu'il est dépouillé? Alors résiste-lui avec une foi ferme et il fuira loin de ta famille. Résiste. Développe la résistance spirituelle. Bats-toi dans la prière. Tu as des douleurs, mais prie. Le mari est malade, mais prie. La femme est malade, prie. Les enfants sont tourmentés, prie. Les combats dans ta famille, prie. Ne t'arrête pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons des problèmes, mais je persévère dans la prière. Nous souffrons. Nous avons des cancers, mais je persévère dans la prière. J'ai des maux de tête, des migraines. Je crois que par ces meurtres, nous sommes guéris. Alors que Esaïe, dans son époque, il précédait la période messianique. Il ne pouvait pas bénéficier de l'acte de la croix avant la croix. Mais là, dans son époque, lorsqu'il a reçu la prophétie, la révélation, il écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est inclus dans la révélation. Il s'est introduit dans la révélation pour dire, je prends cette révélation pour moi dans cette période avant le temps messianique. C'est-à-dire, même avant la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ guérissait tous les malades qui croyaient en lui par la foi à l'œuvre qu'il allait accomplir dans le futur. Il n'était pas venu seulement pour les gens d'après lui, pour les gens du futur. Il est venu pour les gens du passé et du futur. Je parle ici d'un
que Dieu a envoyé pour restaurer l'humanité, pour sauver les hommes. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme qui a changé l'histoire, l'homme qui nous pousse à compter après ou avant Jésus. Je l'appelle ce soir JC. Sakaramayasaka. Je l'appelle JC. Christ JC. Mon Dieu s'appelle JC. Lorsque je dis JC, ça veut dire Jésus-Christ. Avant ou après JC. Korabasata Rabasaka. Sanderobosata. Tu es guéri d'avance. C'est pour ça que tu peux entrer dans les combats. Comme tu as tout déjà été guéri. La guérison là va te rattraper. Nous sommes en relation. L'alliance abrahamique regorgeait plusieurs informations, plusieurs promesses. Et Christ, quand il vient, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la notion de l'alliance. Il ne vient pas abolir, il vient accomplir. Parce qu'il faut comprendre, entre les alliances, il n'y a pas une cessation, il y a une continuité dans les alliances. Dieu n'a pas arrêté une alliance. Dieu n'a pas. L'alliance davidique n'est pas en contradiction avec l'alliance abrahamique ni mosaïque. C'est une continuité d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu avait promis à Abraham, il a continué avec Isaac. Il a continué avec Jacob. Il a continué avec Israël. Il a continué avec David pour confirmer cela. Dieu a continué. Il a continué avec Moïse dans la loi. Il a continué. Dieu n'a pas arrêté son œuvre. Et quand Christ vient maintenant accomplir parfaitement ce que les prophètes, ce que les rois, ce que les sacrificateurs, ce que les juges, tous les prédécesseurs n'ont pas pu bien accomplir. Lui, il vient seulement accomplir parfaitement les plans de Dieu. En lui, tout est accompli. En lui, nous avons la rédemption de nos vies. En lui, nous sommes sauvés. Nous sommes devenus héritiers, co-héritiers de Dieu, de Christ. En lui, nous sommes fils de Dieu. En lui, nous avons la vie de Dieu. En lui, vous savez, nous sommes une même plante envers lui, avec lui. Nous avons une unité. C'est comme si on est devenu, on a une unité organique avec lui. Lorsqu'on parle des choses, on nous place dans la même sphère avec lui. On dit nous sommes cassés en Christ. Et Christ est cassé en Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ce sont des vérités que vous débutez. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, lorsqu'on je reçois des retours d'attaque, des fois je ne chasse pas. Et toi, je disais, je ne chasse pas parce que. C'est pas parce que je n'ai pas la capacité de chasser les démons. Non. Des fois, je ne les chasse pas parce que je mets ma foi en Dieu. J'ai dit, ils m'ont attaqué parce que j'ai fait la délivrance de quelqu'un. Ça va, c'est pas pour un problème. Parce que des fois, nous prions pour des gens, vous partez. Mais des films que nous vivons, vous ne savez pas. Ta délivrance peut me créer beaucoup de problèmes. Quelqu'un dit un peu amen. Tu peux si juste faire la délivrance de quelqu'un, ça te crée des problèmes. Et des problèmes peut-être que tu ne sauras pas gérer. Un homme de Dieu me disait, Thierry, tu sais, moi, les trucs de délivrance là, je les faisais, mais j'ai arrêté parce que ça me crée trop de problèmes. J'ai dit pourquoi? Ah Thierry, toi tu peux continuer à faire, mais moi je ne peux plus faire ça. Je prêche les gens qu'ils aillent au ciel. Parce que le délivrance, ça crée trop de problèmes, hein, Thierry. Tu dois beaucoup jeûner, tu prier. Il faut être vraiment prêt, consacré, éviter beaucoup d'erreurs parce qu'il y a trop de pièges dans ça. Alléluia. C'est la vérité. Ça tire beaucoup de combats. Mais comme je dis toujours, nous sommes des kamikazes. Alléluia. Nous sommes des kamikazes dans l'armée de Dieu. Je suis venu pour informer quelqu'un aujourd'hui que le diable n'a plus de pouvoir dans sa vie. Je vais relire le texte pour conclure. J'aimerais dire, la Bible dit dans les semeurs, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Dieu a enlevé l'impuissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ses esprits devant tout le monde. En fait, Dieu a humilié les démons et il les a traînés comme des prisonniers
dans les défilés victorieux de son fils. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est arrivé quelque part, les démons qui étaient dans un possédé, un homme possédé, l'ont tellement agité. Et Jésus-Christ les a chassés. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter son autorité. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que nous avons la victoire en Jésus-Christ. La croix, c'était le plan peut-être placé par le diable pour humilier le Seigneur Jésus-Christ, punir comme on le faisait à l'époque. Humilier les brigands, les punir par cette sanction. Mais Dieu a tourné cela en spectacle. Alléluia. Les principautés et les pouvoirs sont menés derrière les chars triomphants du Christ, comme les témoins involontaires et impuissants de la supériorité de leurs conquérants. On les traîne de force. On dit, vous allez suivre. Vous êtes les témoins de cette victoire. C'est pour ça que j'aimerais te garantir aujourd'hui que Jésus-Christ a tout accompli. Il les a dépouillés. Par sa victoire de la croix, le Seigneur Jésus a tourné l'arme de ses assaillants contre eux-mêmes. Il a tourné l'arme du diable contre lui-même. Ils ont cru la voir par leurs pièges, mais Christ les a vaincus. Ils ont cru l'humilier. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils accomplissaient la parole. Tu peux vivre la souffrance, mais peut-être c'est pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Tu peux vivre l'humiliation comme Joseph, mais Dieu peut t'élever en Égypte. Tu peux vivre des moments difficiles, mais comme Christ a vécu, nous aussi nous allons vivre comme lui. Dieu accomplira les plans qu'il a tracés pour toi. Personne ne pourra l'arrêter. Même lorsqu'il y aura des pièces, même lorsque tu seras face à une croix qui va t'empêcher de croire à l'excellence, Dieu travaillera au travers de cette croix, de ces problèmes, pour t'accorder la victoire. Toi aussi tu pourras dire, j'ai vaincu Satan au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire aujourd'hui, même si les géants de ta famille s'élèvent contre tes enfants, contre ta destinée, contre ton mariage, contre ta fécondité, contre ta joie, ton bonheur, ta santé, ton argent, j'aimerais te dire qu'à la croix, Christ a tout accompli. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il ne s'est jamais marié pour que tu puisses te marier. Il n'a jamais mis au monde pour que tu aies des enfants. Il n'a jamais été malade pour que tu sois guéri. Il n'a jamais travaillé, mais il t'a produit la richesse. Il dit à moi, l'or et l'argent, je te bénis. Tu n'es pas n'importe qui. Je t'appelle mon fils. Dieu t'a choisi en Jésus. Les diables ne peuvent rien te faire. J'ai dit, les sorciers ne peuvent rien te faire. Répète après moi, Jésus, merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Pour ma délivrance. Vous savez ce que les sorciers savent maintenant. Ils savent qu'ils sont faibles. C'est pour ça que quand tu es devant un sorcier, ne panique pas. Panique pas. Ne vivons pas l'évangile de panique. Mange avec lui. Toi, tu opères là à l'intérieur. Les choses se passent ici. Lui, il opère dedans. Toi aussi. Mange, ris, souris. Là, opère. À l'intérieur, toi, mais tu sais ce que tu fais. Ça, c'est à l'intérieur. Si tu n'as pas de parler là, à l'intérieur, c'est moi. Je contrôle ce lieu au nom de Jésus. Ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, tu dis, j'ai détruit ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire des choses, je les détruis. Je contrôle ce lieu. Parce que j'ai une autorité qui s'étend dans cet endroit. Vous ne pouvez pas opérer. Vous savez, plus la gloire de Dieu descend sur vous, elle peut s'étendre dans des sphères. Que le Seigneur augmente la gloire, la puissance dans ta vie. De telle sorte que quand tu arrives là où ils sont, tes ennemis qui sont déjà vaincus, qui se sentent eux-mêmes, qui sont paralysés à cause de la gloire, de la présence de Dieu qui est sur toi. Marche avec la puissance, marche avec l'autorité, car à la croix, il a tout accompli. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités de ta famille. Il les a livrés publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à Golgotha. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et par la parole et leur témoignage. Quand tu penses au sang de l'agneau, ne t'arrête pas. La témoigne maintenant les vents.
de Jésus-Christ. Confesse cela dans ta vie. Alléluia. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Dis: Seigneur, j'ai pris conscience que je suis héritière, que je suis fils de la promesse, que j'ai la victoire, que l'ennemi a été dépouillé et je ne vivrai plus dans la peur au nom de Jésus-Christ. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons vivre dans la victoire, car à la croix tu as tout accompli. Nous voulons vivre dans la gloire, car à la croix tu as tout accompli. Merci pour tes œuvres, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta puissance dans nos vies. Merci pour ta grâce, ta gloire dans nos vies. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ton manteau que tu descends sur moi, Jésus, ma soeur, mon frère. Merci pour ta couverture, ta protection. Merci pour tes œuvres, Jésus. Merci pour quelqu'un que tu délivres, que tu libères. Merci pour avoir enlevé les noms de ma soeur dans la liste des morts. Merci parce que tu es venu nous délivrer de la peur de la mort. De la peur de la mort. Tu es venu nous libérer de l'emprise de Satan. Merci pour les œuvres que tu accomplis. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour l'œuvre de la croix. Jésus de Nazareth, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Déclare avec moi. Il a dépouillé les dominations et les autorités de ma famille. Il a désarmé les dominations de ma famille. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Nous acclamons le roi des rois pour la victoire de Golgotha. Alléluia. À dater de ce soir, à dater d'aujourd'hui, qu'il se manifeste dans ta vie, dans ta famille. Et que ceux-là qui règnent ne règnent plus. Que le monde des ténèbres ne règne plus dans ta vie, dans ta maison. N'aie plus peur des sorciers, des démons. Car celui qui est en toi est plus fort que ceux-là qui sont dans ce monde. Jésus de Nazareth, alléluia. Reprends ta place. Que le Seigneur soit béni. Amen.